Bonjour et bienvenue à l'émission À la découverte. Je suis Veig, votre animateur, et dans ce nouvel épisode, nous partons à la découverte de Saint-Alexis des Monts. Saint-Alexis des Monts, municipalité de paroisse en Mauricie, est la capitale de la truite mouchetée. D'ailleurs, elle est bien connue pour son festival de la truite mouchetée à la mi-juin, où se déroule un tournoi de pêche qui rassemble les meilleurs pêcheurs de la province venus se disputer les plus gros poissons. Pour les festivaliers non-pêcheurs, des spectacles se produisent sous le préau Canadelle. L'église de Saint-Alexis-des-Monts, construite en 1871, est faite en pierre taillée. Malheureusement, elle était fermée. Avec sa haute flèche de clocher et son vieux cimetière qui possède quelques tombes en bois, l'église domine la place centrale du village. À proximité de ce lieu, vous pouvez longer une partie des berges du lac Saint-Alexis pour admirer les vues sur le lac et sur le village, ainsi que vous arrêter pour faire un pique-nique. Là, vous allez me dire, « Mais Veig, où je peux pêcher de la truite pour ne pas avoir l'air nul au tournoi du festival? » Et je vais vous répondre, à la réserve faunique Mastigouche. Car la meilleure porte d'entrée vers cette réserve est ici, à Saint-Alexis-des-Monts. La Mastigouche est un paradis pour les pêcheurs. Avec des centaines de lacs grouillant de truites et plusieurs secteurs d'hébergement, il s'agit d'un des meilleurs endroits au Québec pour s'adonner à ce genre d'activité. Personnellement, je vous recommande l'hébergement du lac au sable. Dans ce secteur, il y a bien évidemment des dizaines de lacs pour pêcher de la truite, mais vous pouvez aussi prendre ça relax et faire du kayak sur le lac au sable, ou même vous y baigner. Avec ses berges sablonneuses et son eau rafraîchissante, sans être trop froide, on ne se sent pas trop coupable de se la couler douce pendant que les autres pêchent. À chacun son plaisir. Sur votre chemin, dans la réserve faunique, si vous êtes chanceux, vous pouvez même croiser des animaux sauvages. Il y a aussi la chute de la rivière du Loup, à ne pas confondre avec la ville du même nom, qui est un arrêt intéressant pour faire un autre pique-nique et se rafraîchir. Attention, ce lieu est très fréquenté par les jeunes. Bref, vous l'avez compris, la réserve Mastigouche est un havre de paix et de nature qui convient à tous les types de pêcheurs, du professionnel jusqu'au non-initié, en passant par les petites familles. En plus, les chalets ont été récemment modernisés et les sites sont bien aménagés. Toutefois, avant de rentrer en ville avec vos beaux poissons, n'avez-vous pas oublié quelque chose? Peut-être une bonne bière pour accompagner vos filets ou vos guédilles? Dans ce cas, faites un arrêt à la microbrasserie Nouvelle-France, une des premières du genre au Québec. Avec leur bière sans gluten, je peux vous garantir que vous allez vous régaler à soir. Saint-Alexis-des-Monts, avec son festival, les berges de son lac éponyme, ainsi que sa réserve faunique, mérite bien son titre de capitale de la truite mouchetée. Alors, qu'attendez-vous? Saint-Alexis-des-Monts et sa réserve faunique n'attendent que vous. Si l'émission vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre la cloche, mettre un pouce bleu, un commentaire et de partager la vidéo sur les réseaux sociaux. C'est Veig, et à la prochaine pour un nouvel épisode.